À l'initiative du gouverneur intérimaire Fifi Masuka, les travaux de réhabilitation de la route Pouéné ont été lancés par les chefs du secteur Lulu. Objectif est de désenclaver la contrée pour permettre à la population d'acheminer leurs produits vers les grands centres de province et d'une bonne partie du Haut-Katanga. C'est en démarrant ce tractopelle que le chef du secteur Lulu, Alphonse Ngoy, a, sur recommandation du gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, lancé officiellement les travaux de réhabilitation de 10 km de la route Pouéné à plus ou moins 20 km de Kolwezi, la capitale provinciale. Pour le numéro 1 de cette entité, ces travaux ont été initiés par Fifi Masuka afin de désenclaver cette partie de la province du Cobalt dont la population éprouve d'énormes difficultés pour emprunter cet axe, surtout en cette période de saison des pluies. Il a fait savoir que la réhabilitation de la route Pouéné est d'une importance capitale car elle permettra aux cultivateurs d'acheminer leurs produits vers les grands centres du Lualaba et d'une partie de l'ancien Katanga. Il a invité la population à protéger tous les engins. Kuyiba kukintu au carburant hii kintu haitatumika miaka ngapi kumesha kutengeneza kapi hakuna kama leo unasonjwa kufanya hivi nisikia haya pale tulienda kwa majisiko ya chef. Les habitants des villages du groupement Pouéné ont chaleureusement salué l'initiative de la femme numéro 1 du Lualaba, Fifi Masuka, qui jour et nuit se bat pour procurer à ses administrés les infrastructures dignes. Kintu kinene. Ale tusaidia kintu kimwa kinene sana. Hakuna boto na kitu ite bangambo ba muishi haya. Manje tatumika hakuna kitu. Shinjo ba benye ba mijimu ya hapa. Ces travaux exécutés par l'entreprise Spartans consisteront au décaissement, chargement de la caillasse et à la pose de deux couches de terre battue, a annoncé Jean-Félix Kainga, directeur technique. Il faudra rappeler que ces travaux sont les fruits de la redevance minière perçue par les entités territoriales décentralisées.